Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la nouvelle lune en bélier du 1er avril. Alors il n'y aura pas de poisson d'avril, hein, ce sera plutôt un bélier d'avril. voilà, donc je vous ai mis la carte de la nouvelle lune en bélier. Alors je voulais procéder par étapes pour aller doucement pour ceux aussi qui ne connaissent pas trop l'astrologie. C'est vrai que j'ai tendance à. Les astrologues ont tendance souvent à parler pour ceux qui sont un peu habitués à l'astrologie et on se rend pas compte avec notre langage d'astrologue, des fois c'est vrai que ça peut poser un peu de complications pour les gens. Donc c'est vrai qu'il faut aussi se mettre un peu à la place des néophytes. Donc je vais essayer de faire quelque chose de plus comment dire scolaire entre guillemets, éducatif, un peu. Pour que vous compreniez bien en fait comment ça fonctionne. Donc là on a le zodiaque, là le cercle de 360 degrés, vous avez les 12 signes. Donc dedans vous avez les symboles. Donc le bélier je l'ai mis ici donc au début hein, dans le côté gauche. Donc le zodiaque commence on va dire au signe du bélier hein, dans la tradition. J'ai pas mis les maisons du zodiaque, là j'ai mis juste donc les signes. Donc vous avez le bélier en rouge et les autres signes, donc taureau, gémeaux, cancer, lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson. Alors la nouvelle lune, qu'est-ce que c'est? La nouvelle lune, c'est quand il y a une conjonction entre le Soleil et la Lune. Vu de la Terre, on voit que on voit en fait, si vous voulez, une lune qui est un peu assombrie, une lune noire, comme on dit. Alors c'est pas la lune noire de l'astrologie, c'est-à-dire que c'est la nouvelle lune. Donc la lune passe devant le soleil, ce qui fait comme une, alors c'est pas une éclipse, mais c'est un lieu de nouvelle lune, donc conjonction soleil-lune, donc sont à peu près au même degré hein, au niveau du zodiaque. Donc ici elle tombera à 11 degrés 31, c'est pour ça que je l'ai mis en noir là, c'est le lieu de la nouvelle lune. Mais autrement j'aurais pu le mettre, alors je vais vous montrer de cette façon. Donc je mets le soleil et la lune. Et je vais enlever le lieu de la nouvelle lune, on va retrouver, voilà, le soleil ici en jaune, le rond jaune là. Alors c'est vrai que on voit pas trop bien écrit parce que j'ai voulu mettre la couleur jaune assez pétante, hein, traditionnelle pour la couleur du soleil hein, et du signe du lion, qui maîtrise le signe du lion, à 11 degrés 30, donc ici en bélier, donc le 1er avril 2022 à 8h24 heure de Paris. Donc 6h24, temps universel. Donc la Lune sera donc au même degré à 11 degrés 30 à cette heure-ci. Donc c'est ce qu'on appelle donc la nouvelle Lune en Bélier. Voilà, donc je vais le laisser comme ça. Hein. J'aurais pu remettre l'autre graphique. C'est un peu la même chose en fait. Là, c'est pourquoi vous voyez bien que c'est les deux planètes, enfin les deux luminaires qui sont juxtaposées, hein, qui sont côte à côte. Alors le Soleil, c'est le principe de vitalité, la vie. Dans le signe des béliers, alors on dit que dans ce signe, il est en exaltation, c'est-à-dire que la planète a des affinités selon les signes. Ici, elle va donner tout son potentiel, elle va donner toute sa force, si vous voulez. Donc le soleil, par tradition, il est en domicile dans le signe du lion, hein, le soleil rayonne dans le signe du lion, et ici, dans le bélier, il va donner encore plus de puissance, plus de chaleur, si on peut dire, comme c'est un signe martien, le bélier, le premier signe de feu. Avec un soleil dans le signe des béliers, on a un soleil conquérant, volontaire, flamboyant, courageux et fonceur, en fait, qui est très téméraire, le bélier, donc qui va de l'avant. C'est pour ça qu'on dit que cette planète est en exaltation. Elle est un peu en affinité, si vous voulez, mais de manière exaltée, c'est-à-dire de manière très. Elle donne tout son potentiel, elle se trouve vraiment bien, quoi. C'est un peu l'image du héros. Qui a vaincu toute une armée, voilà, si on peut donner une image un peu symbolique, bon, c'est pas forcément ça dans le réel, mais si vous voulez, voilà, ça donne soleil en bélier, comme on dit, hein, on est des gens béliers. Et la lune, c'est l'émotionnel, donc la lune en bélier va donner justement un émotionnel très réactif, très martien, donc très actif. La lune, ce principe d'émotion, de sensibilité, d'imagination, donc une imagination très fertile, une imagination à fleur de peau, des réactions à fleur de peau, on peut réagir vite avec une lune en bélier. Hein, souvent, c'est des femmes qui peuvent être très masculines aussi, souvent dans un thème natal, hein, une lune en bélier. Bon, là, je ne vais pas faire
le thème d'une personne quelconque. Là, on va parler plutôt de manière générale. Parce qu'on peut le faire d'une manière, l'astrologie, comme je vous fais, de manière mondiale, manière avec une interprétation plutôt globaliste. Et après, il y a une interprétation plus psychologique pour l'individu. Donc là, voilà, je parle un peu des deux. Là, en tant qu'astropsychologie, on pourrait dire que là, une soleil-lune en bélier, ça peut donner comment dire, une période où on est assez à fleur de peau, si vous voulez. On réagit vite, on est dans l'instinct, l'action, et on a souvent la réflexion arrive que après coup. Parce que voilà, c'est le printemps, on est dans la période bélier, et en plus, la lune est conjointe, donc c'est vrai que ça donne vraiment de la puissance, si vous voulez, sur le côté réaction, quoi. Alors ensuite, par le jeu des maîtrises, on va regarder qu'est-ce qui maîtrise donc cette nouvelle lune, parce que toutes les planètes peuvent être interdépendantes, plus ou moins, dans le zodiaque. Alors vous voyez, d'abord j'ai mis aussi les nœuds lunaires, hein, toujours mettre les nœuds lunaires, ça c'est l'axe de destinée. Donc on a un nœud sud en scorpion et un nœud nord en taureau, donc je vais revenir vite fait dessus. Le nœud sud, c'est les bagages acquis, comment dire, les acquisitions d'une vie passée, c'est-à-dire tout ce qu'on a pu hériter dans une vie passée. Et le nœud nord, c'est plutôt vers quoi on doit aller dans cette vie-là. Alors c'est voilà, c'est très théorique, là c'est plutôt dans un thème natal, mais là on va dire que dans un thème on va dire voilà, de nouvelle lune, bon, c'est pas, faut voir les aspects, mais voilà, actuellement on est dans un nœud sud en scorpion, donc il y a des choses qui reviennent du passé, qui peuvent être assez tourmentées ou alors très profondes, très intenses. Alors c'est un peu ce qu'on vit au niveau plutôt mondial, là du coup, on va parler. Et donc ça peut être des crises, des guerres, forcément, avec le bélier. Et puis le scorpion, c'est deux signes martiens, hein, gouvernés par la planète Mars, donc je vais y revenir dessus. Et à chaque période de vie, voilà, on doit développer, si vous voulez, avancer pour comprendre des choses dans la vie. Et là, actuellement, le nœud nord en taureau nous demande d'aller vers un apaisement. Bah, ça parle de paix, hein. On parle surtout par rapport à ce qui se passe actuellement, la guerre, donc aller vers la paix, donc là c'est un peu mal barré, on va dire. C'est normal parce que le nœud sud, souvent, il réactive des choses du karmique du passé. Et souvent, le nœud sud, c'est un peu tout ce qu'on vit et ce qu'on doit comprendre pour aller vers le nœud nord. Donc c'est pour ça qu'on revit souvent le nœud sud de manière bah, plus ou moins facile ou difficile. Mais il faut trouver l'enseignement spirituel, entre guillemets, d'incarnation, enfin apprendre à comment évoluer sur cette terre, hein, si on parle du domaine spirituel, hein, parce que c'est aussi lié un peu au côté spirituel, à l'astrologie aussi, hein. C'est vrai que j'ai tendance à rester très pragmatique par rapport à l'actualité, mais aussi on peut en faire aussi un côté un peu plus spirituel, holistique, humaniste, psychologique. Il y a tous les domaines qui interviennent, après ça dépend de la vision qu'on peut avoir, hein. Mais voilà, le nœud nord en taureau, c'est ça. Donc on va revenir dessus. Donc là, pour l'instant, je suis sur la nouvelle lune. Donc on va regarder Mars. Donc Mars, ça dirige cette nouvelle lune. Donc je vais la mettre avec les aspects. Et on voit que Mars, ici, se trouve en Verseau. Hein? Donc Mars en Verseau, si vous voulez, la planète Mars, donc l'action, ça peut être du bélier, se trouve dans un signe d'air, le Verseau. Donc c'est beaucoup d'action pour la liberté. Souvent on agit de manière libre, hein, il y a toujours des mots-clés qui sont très importants en astrologie, hein. Mars, c'est l'action, l'initiative, les décisions, les débuts des choses. Et le Verseau, bah, on agit souvent, on est très libertarien, on peut avoir des idées progressistes, tournées vers l'avenir, tournées vers le futur, hein. Le signe du Verseau représente le futur. Donc là, l'action est dirigée vers tous ces côtés-là, de réforme. Alors ça peut parler de politique, ça peut parler d'international, c'est le monde entier, c'est les humains, c'est les nouvelles technologies, c'est plein de choses en fait, vous voyez. Donc d'un point de vue psychologique, voilà. Donc on a un Mars en Verseau, c'est-à-dire que on agit dans des éléments, on va dire, très secs, hein, très aériens, le signe du Verseau. Et là, on voit, il fait un carré au nœud lunaire. Bon, alors c'est vrai que là, le carré, il est un peu large, hein, parce que normalement, en transit entre planètes lentes, bon, on peut prendre
On dit souvent 2-3 degrés, mais voilà, bon, là il y a un peu plus. Bon, c'est après, c'est l'effet est toujours plus ou moins là, si vous voulez. Plus l'écart se fait entre deux planètes, ce qu'on appelle ça des orbes planétaires, forcément, plus l'aspect sera très exact, plus l'effet se fera sentir. Donc là, bon, bah, il y a un carré, mais on va dire séparant. C'est-à-dire que la planète, si vous voulez, s'éloigne de plus en plus de ces aspects-là, c'est-à-dire du sud et du nord. Voilà, mais il y a toujours cet aspect dans le ciel. En gros, la semaine prochaine ou 2 jours après, voilà, l'aspect s'en va selon la vitesse de progression de la planète dans le ciel. Voilà, donc le carré au nœud lunaire bah, exprime, si vous voulez, difficulté par rapport à trouver une adéquation entre sa façon d'agir et l'impact que ça peut avoir sur le plan, on va dire, karmique, c'est-à-dire le plan de l'évolution. D'autant que Mars maîtrise, si vous voulez, le nœud sud en scorpion, hein, ce que j'avais dit, le scorpion est un signe martien, donc là on voit que sa planète, donc c'est son second maître, hein, c'est Pluton le premier maître, mais le second maître est en carré, donc ça peut réactiver des choses assez puissantes sur des crises, ça peut être des conflits, bon, alors, ça peut être plein de choses si vous voulez, mais au niveau de l'action, ça peut être le côté un peu belliqueux, les disputes, les choses comme ça, les colères, qui peuvent être un peu, faire attention, ça peut être un peu préjudiciable. Alors après, tout dépend, là je parle de manière générale, ça peut être au niveau mondial, ça peut être sur une personne, ça peut être dans le thème de chacun, mais tout dépend de votre thème en fait, c'est pas forcément, en fait il se passe pas forcément quelque chose. Après, si dans votre thème il y a pas de points qui tombent à ce niveau-là, on va dire, c'est pas, dans ces domaines-là, c'est pas important, entre guillemets. Mais sinon, voilà, ça réactive des points, c'est sûr que là, chez vous, ça peut être beaucoup plus puissant. Donc voilà, alors il y a presque un sextile, on pourrait dire, au Soleil-Lune. Moi, elle est un peu large, donc c'est pour ça qu'elle n'est pas mise, mais voilà, il y avait peut-être un sextile séparant, c'est-à-dire qu'il y a un aspect de 60 degrés qui s'en va. Donc ensuite, bah, on va regarder la suite. Donc Mars en Verseau, c'est pareil, elle est dirigée par une planète. Le Verseau, c'est Uranus. Donc on va regarder où se trouve Uranus. Alors je vous fais un petit cours en même temps. Ça, je prends bien le temps d'expliquer. Donc je place Uranus. Vous voyez, Uranus, il est actuellement en taureau. Bon, c'est une planète lente, comme on dit, hein, transsaturnienne. Donc elle est là depuis 2017-18, je crois, environ, hein, dans le taureau. Elle est à 12 degrés actuellement, vous voyez, 54 dans ce signe. Et là, donc, on voit il y a un semi-sextile donc à la nouvelle lune, au Soleil-Lune là, et un carré à Uranus en Verseau. Alors c'est pareil, le carré il est un peu large. Hein. Là, il y a presque 6-7 degrés. Donc bon, c'est dans le ciel. Après, c'est bon, peut plus ou moins les prendre. En fait, c'est 2-3 degrés si vous voulez en transit, mais c'est plus avec des planètes superposées sur des planètes natales, par exemple. Par exemple, sur le thème d'un pays, d'une personne, une constitution, que sais-je. Donc voilà, là dans le ciel, bon, on va vous dire qu'elle est plus ou moins encore présente, mais elle se sépare aussi. C'est-à-dire que Mars bouge plus vite qu'Uranus, donc elle va avancer. Et forcément, les aspects que vous voyez là, au fur et à mesure des jours qui vont passer, bah, il n'y aura plus l'aspect. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça un aspect séparant, parce qu'il s'éloigne. Il est en train de partir. Il est après l'aspect, après la planète en question. 19 degrés, 12 degrés, et là 11. Bon, en tous les cas, Uranus, sextile, Soleil, Lune, là ça exprime un peu l'indépendance, mais c'est un aspect très mineur, hein, parce qu'il y a des aspects plutôt forts, comme le carré, comme ici en rouge, ou les trigones en bleu, et les sextiles et les oppositions, mais là, un semi-sextile, donc c'est la moitié d'un sextile, un sextile c'est 60 degrés, donc c'est un écart entre deux signes, donc un écart entre un signe à 30 degrés près, vous voyez? Ce qu'on appelle un semi-sextile, c'est le petit trait bleu ici. Voilà, donc entre Uranus, Soleil et Lune, il y a un semi-sextile. Donc ça veut dire, donc c'est un aspect bleu, donc un aspect plutôt positif, qui exprime, si vous voulez, un peu ce côté indépendance également, comme le Verseau. Indépendance par rapport à un côté émotionnel, une indépendance émotionnelle, une indépendance tout court. Le soleil, on peut se sentir beaucoup plus libre dans sa manière d'être, dans ses réactions. Mais attention, parce qu'il y a un carré en même temps.
Donc vous voyez, il faut faire attention, c'est assez subtil, c'est-à-dire que émotionnellement on se sent, voilà, on réagit, hop, on a des idées, mais dans l'action, attention, parce que ça peut faire des réactions qui peuvent aussi être préjudiciables, parce qu'un carré c'est un aspect de tension, un aspect plutôt négatif. Et ici, ça peut générer, si vous voulez, comme je vous l'ai dit, hein, Mars carré Uranus, c'est un aspect assez puissant en astrologie, qui signifie souvent les accidents. Donc comme Uranus maîtrise ce Mars, il est d'autant plus fort, hein, ça rajoute, si vous voulez, de la puissance. Et Uranus est en chute en taureau, parce qu'elle n'est pas à l'aise. Hein. Uranus, c'est la planète du Verseau, c'est un signe très réactif, très qui bouscule. Et le taureau, c'est un signe qui est plutôt ancré et qui n'aime pas les changements brusques. Donc c'est pour ça qu'on dit que cette planète n'est pas trop à l'aise dans ce signe. C'est comme si, vous voyez, on pourrait imaginer ça comme des personnages. Uranus, il rend visite. Il est dans un territoire qui est un peu inconnu, un peu qui lui convient pas trop. Lui, électrique, il est dans une pleine grasse et de prés, d'herbes. Et lui, il veut des choses qui bougent, qui. Il veut des trucs futuristes, il veut des trucs high vite, des voitures volantes, futuristes. Vous voyez, c'est pas très. Je prends une image un peu idiote, mais enfin, il n'y a rien d'idiot. Mais si vous voulez, c'est pour vous donner une image. Vous voulez que la planète et le signe ne sont pas forcément en relation très harmonique. Mais voilà, après, c'est plus ou moins fort en fonction des aspects, du thème de chacun, encore une fois. Donc là, ça peut faire des accidents, on appelle souvent ça le Mars-Uranus, c'est l'aspect des crashs, des ruptures, des réactions imprévisibles qui peuvent amener des choses souvent un peu délicates, difficiles. Donc ça peut être plein de choses, hein. Moi je vous ai parlé par exemple des coupures internet, on en parle de plus en plus, c'est pas obligé hein, que ça arrive, mais c'est des possibilités. C'est-à-dire que ça peut être ça peut être plein de choses, ça peut être des accidents. On a vu le crash d'avion en Chine, j'en vous avais parlé. Ça peut être Et comment on pourrait dire ça, plein d'accidents. Ça peut être au niveau, par exemple, au niveau climatique, ça peut être des tempêtes, par exemple, pourquoi pas, on voit le sable du Sahara, hein, événement inattendu, en plus qui risque de revenir apparemment, qu'on n'avait pas vu ça depuis longtemps, donc ça peut être manipulation aussi du climat, hein, avec Mars, l'homme, bon voilà, après on peut spéculer aussi beaucoup. Donc, retenez surtout les énergies. Donc Mars, c'est l'action qui peut être assez imprévue. Donc les contestations aussi, les révolutions, les ruptures avec un ordre établi. On veut se démarquer avec Mars. On agit pour se démarquer Uranus, pour rompre avec un système. Hein. Avec Uranus, on rompt brutalement. Hein. C'est comment dire, c'est tout ce qui est imprévu. Hein. Uranus, c'est le C'est le coup d'éclair, c'est le coup de génie aussi en bon aspect, mais là, bon. Donc voilà, donc ça peut faire un aspect un peu de révolte, par exemple, d'accident, mais en même temps pour s'émanciper, pour avoir, si vous voulez, ce côté où la foule veut un peu de. Le peuple aussi, la lune, hein, la lune représente le peuple, la foule, pour un mieux-être, pour quelque chose qui lui convient plus, donc pour se révolter, en fait, pour un mieux-être. Être le bélier. L'avoir, c'est le taureau. Donc, je vais continuer. Donc, Uranus, qu'est-ce qui maîtrise Uranus? C'est Vénus. Donc, on va regarder Vénus. Donc, je vais mettre Vénus en aspect. Et on l'a conjoint Mars depuis un moment. Alors, Vénus-Mars, c'est l'amour et le sexe. C'est les sentiments et les désirs. Donc, les sentiments Vénus, on est dans un sentiment beaucoup plus libre, amical presque. Actuellement, donc il y a des énergies un peu voilà de liberté, d'indépendance au niveau affectif, on est peut-être moins voilà un peu moins possessif par exemple. Mais attention, on voit bien aussi que alors ici ça forme un carré. Alors j'ai cliqué dessus pour bien voir. Voilà, ça forme un carré exactement pareil au nœud lunaire. Donc on avait Mars carré le nœud sud et le nœud nord, mais le nœud sud important parce que Mars c'est la planète du Scorpion, second maître, et Vénus en Verseau carré le nœud nord en taureau et le nœud sud aussi par effet d'axe. Et le nœud nord en taureau, si vous voulez, c'est le taureau, sa planète c'est Vénus, donc son maître. Donc on a à la fois le maître, si vous voulez, du nœud sud qui est en carré et le maître du nœud nord qui est en carré à son maître, nœud nord. Donc les deux maîtres des nœuds sont en carré à leur propre nœud, quoi. Les maîtres, voilà.
Donc c'est vrai que c'est un aspect fort là au niveau des nœuds lunaires. Donc peut-être un passage important de cette nouvelle lune qui va indiquer peut-être des choses au niveau indépendance, parce que le Verseau représente l'indépendance. C'est important de comprendre que l'élément bajoua, le facteur psychologique dans la manière de réagir, la manière d'être, la manière de s'émanciper, de vouloir quelque chose de qui nous plaît plus avec Vénus, qu'on aime, qu'on veut. Qu'on ressent le besoin, voilà, on ressent un lune en bélier, une volonté quand même là d'émancipation, d'action. Donc voilà, on est dans une nouvelle lune quand même qui est très très tendue, à haute tension en fait, de par ses aspects. Et surtout qu'il y a, comme vous voyez, un semi-carré, donc c'est la moitié d'un carré, donc c'est 45 degrés. Donc Vénus est en semi-carré à la nouvelle lune là en bélier. Voilà, donc il n'y a que des aspects tendus là pour le moment. Donc vous voyez, il y a une notion comme ça assez électrique dans le ciel où on veut peut-être amener une rupture, une indépendance par rapport au système actuel. Donc, comme cette nouvelle lune dure à peu près sur un effet de 15 jours, car après on a la pleine lune. Bah sur les 15 jours, qu'est-ce qu'il va y avoir? Pendant les 15 jours, on va avoir les élections présidentielles. Vous voyez? Donc, ça peut laisser présager, si vous voulez, des élections qui risquent d'être sous haute tension, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que ça va être pas tout repos, cette élection, à mon avis. Là, pour l'instant, les effets de cette nouvelle lune indiquent cela. Donc, on va continuer. Alors, je voulais terminer Vénus-Mars aussi, c'est aussi beaucoup les coups de cœur. Hein, comment je pourrais dire, au niveau séduction, là, c'est pas mal. Hein, quand on a Vénus-Mars comme ça, conjoint, on peut avoir des désirs, des nouvelles rencontres qui peuvent se faire. Donc voilà, après, il faut voir les aspects dans le thème de chacun, voir si ça forme des bons aspects, mais ça peut être bien pour des rencontres affectives aussi. Ou amicales, hein, c'est pas forcément que au niveau de l'amour, hein, parce que là, en Verseau, on parle plutôt d'un. Alors, ça peut être amoureuse, mais un peu ce qu'on appelle l'amour-amitié avec une Vénus en Verseau. Donc là, on peut être beaucoup plus dans des relations un peu libres, des unions libres, hein, actuellement, par exemple. C'est un exemple, c'est pas forcément parce qu'on a ça que tout le monde est en union libre, c'est pas ça. Si on est en couple, on peut se sentir un peu plus libéré, être plus dans ce côté indépendant, ou voilà. Mais si on est célibataire, on peut, voilà, trouver une amie, voilà, qu'on voit comme ça, puis on prend son temps, et puis voilà. Après, quand ce sera dans les énergies poissons, ça sera autre chose, ça sera encore plus fusionnel, du coup. Ça sera moins dans ce côté amical. Bon, voilà, c'est pour vous donner un peu une image des planètes. Alors, ensuite, voilà, donc Vénus en Verseau, donc Uranus la maîtrise. Alors là, le carré, il est mis avec Mars. Alors avec Vénus, il est un peu large, hein, 25 et puis 12 degrés, là c'est trop large. Mais voilà, ça pourrait, alors à l'époque, ça pouvait faire aussi des ruptures affectives, hein, Vénus carré Uranus, mais là ça s'éloigne. Donc bon, ça peut avoir un apaisement, alors surtout quand Vénus rentre en poisson, je pense. Donc ensuite, bon, on va continuer de mettre les autres planètes. Donc on va mettre Mercure avec les aspects. Alors Mercure représente tout ce qui est en rapport avec l'intellect. Donc on le voit ici, il est en bélier conjoint à la nouvelle lune. Hein? Alors pour l'instant, vous voyez, il n'y a que des aspects rouges, alors des aspects de tension. Alors c'est un peu logique parce qu'il y a une bonne concentration planétaire là entre chaque planète. Alors on a juste un semi-sextile également avec Uranus. Hein. Mercure-Uranus, ça donne des idées novatrices. Mercure, c'est les idées, la communication, les échanges, comment on pense. Uranus, c'est la manière de concevoir cela. Donc c'est les conceptions, les inventions. Là, ça peut donner un peu de génie, par exemple. Bon, c'est assez léger, hein. Ça peut te donner une petite idée, mais des petites idées, voilà, pratiques. Tiens, si je mettais ça comme ça, hop, ah bah tiens, là c'est pas bête, voilà. Et on agit sur le moment. Mercure Bélier, voilà, c'est l'action, c'est on parle, on est beaucoup plus franc, hein, peut-être à cette période, hein, avec un Mercure en Bélier, on a des idées beaucoup plus franches, tranchées, ou voilà, où on exprime vraiment son ressenti, hein, vu que c'est conjoint à la Lune, à la nouvelle Lune. Donc là, il y aura beaucoup d'idées fertiles, très. Comment dire, on va aussi. Alors attention de ne pas se précipiter, parce qu'il y a un semi-carré. Alors avec Vénus, voilà, avec Vénus surtout. Donc ça peut donner, si vous voulez,
dichotomie entre sa façon de ce qui nous plaît et la manière dont on exprime les choses en fait. Donc c'est pas toujours évident. Alors c'est mineur, hein, voilà, c'est très bénin. Hein, je veux dire, on va pas rester dessus, c'est pas important en fait. Mais voilà, ça peut donner des petits détails en fait qui peuvent un peu agaçant, par exemple, ou pas conforme à ce qu'on voudrait entre guillemets. Mais c'est vraiment mineur, quoi. Voilà. Donc bon, sinon c'est vrai qu'on a beaucoup d'aspects conflictuels. Alors je vais continuer. Ensuite, on a la planète Jupiter. Donc là, c'est plus une planète lente. Donc elle est actuellement en poisson, Jupiter. Alors Jupiter, pareil, on va cliquer dessus. Donc Jupiter en poisson, on dit qu'il est en domicile, hein, c'est un des domiciles du poisson avec Neptune, qu'on va mettre aussi à côté. D'ailleurs, je vais le mettre tout de suite. Je vais mettre Neptune comme il y a la conjonction Jupiter-Neptune actuellement. Voilà. On voit la conjonction Jupiter-Neptune se rapproche très fortement. Elles sont pratiquement à 2 degrés près en conjonction partile, c'est-à-dire une conjonction exacte au même degré, qui aura lieu le 12 avril, donc 2 jours après les élections. Mais là, l'influence est déjà présente. Hein. Donc là, c'est vraiment les deux planètes des poissons sont chez elles. Et ça a lieu que tous les 166 ans environ, la conjonction Jupiter-Neptune en poisson. Parce que sinon, c'est tous les 12-13 ans, hein, une conjonction Jupiter-Neptune, ça peut se faire dans un autre signe, mais en poisson, voilà, c'est pas tous les jours. Donc c'est pour ça que c'est un cycle important. Jupiter-Neptune, c'est le dieu des océans, c'est Neptune Poséidon chez les Grecs, là, et donc chez les Romains, c'est Neptune. Donc Jupiter, c'est Zeus, c'est l'épanouissement, c'est les grandes idées, c'est les grands idéaux, c'est les. Voilà. Et ici, en revanche, vous voyez, ça fait que des bons aspects. Donc ça soutient un peu les tensions, on va dire. Donc il y a quand même cet idéal, ces espoirs qui sont toujours présents, ce côté un peu rêveur, même beaucoup, hein, beaucoup d'idéal, beaucoup de rêves, beaucoup de. On a beaucoup, entre guillemets, alors tout est relatif selon le thème de chacun, encore une fois, mais dans le ciel, voilà, il y a toujours. On est soutenu par ce côté, on va dire. Comment je pourrais dire? Au niveau mondial, déjà, on voit qu'on va pas vers une guerre totale, donc ça permet aussi de garder des relations, des diplomaties et maintenir un semblant de paix, on va dire, pour le moment, entre guillemets. Mais voilà, c'est pas forcément facile, hein, par rapport à tout ce qui se passe. Parce qu'on voit bien qu'il y a des tensions à côté de ça. Hein. Mais voilà, il y a quand même cet espoir et ces idéaux qui sont très puissants. Donc, par exemple, ça peut être là, cette période-là est propice pour la spiritualité, pour alors surtout quand les planètes sont en poisson, là, c'est vrai qu'on parle plus maintenant avec des planètes qui vont en bélier à partir du 1er avril, enfin depuis là 1 ou 2 semaines. Donc c'est vrai que là on est plus dans l'action, donc on peut agir par rapport à nos idéaux aussi. Et par rapport à ce qu'on agit aussi par rapport à beaucoup de comment on pourrait dire, d'actions. Qui nous porte, parce qu'avec ce Mars semi-sextile Jupiter-Neptune, on a envie d'agir avec foi, avec idéal. On a un idéal qu'on veut mettre en pratique avec Mars. On veut agir pour la communauté. Donc ça peut parler des votes, hein, c'est vraiment ça. Hein, ça parle aussi, on veut agir pour, bah voilà, pour un meilleur être, un meilleur, comment dire, des idéaux par rapport à la vie, à la situation mondiale. Voilà, c'est le poisson, c'est tout ce qui est global, ça englobe vraiment voilà, les projections, tout ce qui est irréel, tout ce qui est du domaine de l'inconscient, de tout ce qui est invisible. Alors forcément, sur un plan très concret, c'est vrai qu'on peut parler de l'inflation. Alors attention, l'inflation sera de plus en plus forte. Bon, c'est vrai qu'il y a des aspects pour l'instant qui soutiennent, donc c'est limité. Après, il faudra voir dans le temps, parce que c'est vrai que on nous a annoncé d'ici un an et demi, hein, comme nous a dit notre cher président, il faudra s'attendre à des pénuries massives et des choses difficiles. Mais bon, pour l'instant, on n'y est pas. Mais pour l'instant, c'est la période des élections, je dirais. Donc c'est vrai que là, pour l'instant, on voit bien ce côté agir de manière. Un peu de manière revendicative, hein, avec Carré Uranus, et pour un meilleur espoir, pour un meilleur être avec Jupiter-Neptune. Donc moi, je m'attends quand même aussi à beaucoup de votes, hein, pas forcément que de l'abstention, c'est possible aussi, mais là, l'action
on veut y croire, voilà, il y a toujours cette notion, on veut y croire. Donc c'est important, ce cycle-là. Alors il y a des trigones en même temps, vous voyez, nœud sud et sextile au nœud nord, vous voyez, un aspect harmonique. Donc ça peut, pareil, soutenir par rapport à l'évolution. Les changements peuvent être aussi profitables, donc à voir. Donc je continue, ensuite on a Saturne, donc la planète Saturne très importante, la planète, elles sont toutes importantes, mais Saturne ça peut être de la structure, de la construction, de tout ce qu'on établit dans la durée. Et ici Saturne, donc il encadre, donc quand on dit qu'il encadre, c'est-à-dire qu'il est entre deux planètes, Mars et Vénus. Donc il se met au milieu là, et lui il est en Verseau, donc depuis un moment aussi. Et la conjonction déjà avec Mars et Vénus apporte, si vous voulez, on veut établir quelque chose de durable, si vous voulez, peut-être par rapport à par exemple, des relations affectives. Là, comme je vous ai parlé, on peut faire des nouvelles relations. Et donc, avec cette conjonction Vénus-Mars, ça peut être profitable. Alors, ça peut être pour plein de choses. Après, il faut voir dans le domaine en question des maisons. Ça peut être en amitié déjà, le côté Verseau. On peut avoir des nouvelles amitiés, hein, une volonté de. On agit de manière structurée et indépendante pour des choses qui nous plaisent, Vénus. Mais voilà, il y a toujours ce carré aussi à l'axe des nœuds. Donc, c'est pas non plus. Comment dire. Ça peut déstabiliser aussi et c'est pas toujours évident. Pour maintenir ce semblant de construction, d'établir des choses durables et constantes avec le taureau. Mais en même temps, voilà, les espoirs peuvent aussi, les idéaux peuvent être plus ou moins constructives, dans une certaine mesure, avec ce semi-sextile à Jupiter-Neptune. Et voilà, pour un peu voilà, schématiser. Ensuite, Pluton qui est toujours dans le fin Capricorne, hein, donc la planète la plus lente du zodiaque, hein, elle sortira qu'en 2023-24 du Capricorne. Et Pluton, lui, heureusement aussi, fait de bons aspects. Donc on voit, c'est pour ça qu'on a cette protection entre guillemets que Jupiter-Neptune qui permet de se remettre en question, de trouver des transformations positives au sein du monde qui peuvent se faire aussi malgré les crises. Et le sextile donc au nœud sud en scorpion, qui est le maître, permet aussi cette évolution de manière aussi assez positive, on va dire. Voilà. Donc là, j'ai mis à peu près toutes les planètes. Alors, je pourrais rajouter les lunes noires, par exemple. Alors, si je mets la lune noire vraie, parce qu'elle est intéressante pour cette nouvelle lune, donc on voit qu'elle tombe dans le cancer. Le cancer, c'est tout ce qui représente l'émotion, la mer. Donc là, il peut y avoir des zones d'ombre à ce moment-là. Il peut y avoir un passage karmique par rapport à ça. À la famille. Alors la famille, c'est plus la maison 4, mais ça, par extension, ça peut être lié. Mais surtout au niveau émotionnel. Là, il peut y avoir des choses qui reviennent du passé, par exemple, qu'on a besoin de régler. Par exemple, pour faire je sais pas moi, des thérapies émotionnelles, ça peut être bien. Ce qu'on appelle du healing heart, ou alors du chamanisme, ou j'en sais rien, enfin des régressions par exemple, pour libérer des tensions émotionnelles, des mémoires karmiques par exemple, si on parle d'un point de vue là, plus spirituel. Hein. La libération de mémoires karmiques par exemple, là ça peut être pas mal. Donc après, il faut voir aussi selon votre thème, hein, si c'est approprié peut-être à cette période. Voilà. Alors c'est vrai que dans cette nouvelle lune, bah, qu'est-ce qu'on voit? Il y a un sextile Uranus déjà. Donc là, il peut y avoir des nouvelles méthodes qui peuvent être utilisées pour cela. Donc, par rapport à ce que je viens de dire, là, par exemple. Sur un plan mondial, c'est vrai que ça peut faire une zone d'ombre sur le plan des nations. On voit par rapport à ce qui se passe en Ukraine, par exemple, mais dans d'autres pays. Ça peut redéfinir des frontières, des nations. On peut avoir des nations qui sont bouleversées. Donc, par exemple, la France, il peut y avoir un nouveau président. Ou alors, alors si c'est pas un nouveau président, il peut y avoir quelque chose de très marquant pour le pays. Parce que le cancer représente la nation, le peuple. Voilà, un territoire, donc le pays, tout ce qui est attaché au passé, à la tradition. Et donc là, forcément, avec une lune noire en cancer, tout ça indique. Un peu comme une crise, entre guillemets, ça ressemble un peu, si vous voulez, à la planète Pluton, il peut y avoir des transformations, mais la lune noire, hein, est vraiment quelque chose du passé
quelque chose qui est ancré dans une mémoire, pour ceux qui connaissent l'akashique, une mémoire spirituelle, une mémoire passée, une mémoire comme un disque dur qui est intégré dans l'âme d'une personne ou d'une collectivité. Et là, actuellement, avec le carré de la Lune qui maîtrise cette lune noire, car la Lune est la planète du cancer, forcément, ça peut réactiver des difficultés par rapport à des nations, des peuples, voyez, avec des notions assez épidermiques en bélier, et des idées qui peuvent, avec Mercure, qui est conjointe, hein, forcément, des idées obscures, des choses à régler, Alors voilà, ça peut être plein de choses, hein. C'est vrai que c'est très. On peut vraiment développer sur beaucoup de domaines, sur beaucoup de points. Et en même temps, il y a un sextile carré, vous voyez. Alors surtout à Vénus. Vénus en Verseau, donc là c'est pareil, le principe affectif, il peut y avoir des comment dire, alors la lune noire, c'est l'attirance, le refus, si vous voulez. C'est comme si vous voulez, on a. Des profondes des profonds manques, parce que la lune noire c'est toujours le lieu du manque, un manque émotionnel qu'on peut avoir du mal à combler par rapport au domaine affectif, ce qui fait qu'on peut avoir ce sentiment un peu de rejet au niveau affectif, mais c'est léger car c'est un sesqui carré. Voilà, alors tout ça c'est très psychologique là ce que je vous parle, c'est-à-dire que c'est pas très perceptible, on va dire, au niveau plus ou moins perceptible, si vous voulez, dans la réalité, si vous voulez. Ça dépend encore une fois, du thème de chacun. Donc, voilà, c'est très compliqué, hein, c'est très particulier. Mais voilà, c'est pour vous donner un peu une idée. Et je voulais terminer. Donc, alors, je vais pas mettre les autres lunes noires, car elles n'ont pas vraiment d'aspect entre les autres planètes, on va dire. Parce que les autres lunes noires sont plutôt en gémeaux, du coup. Je pourrais mettre, par exemple, la part de fortune aussi. La part de fortune qui est là en taureau. Bon, c'est pareil. Bon, il y a un sextile carré Jupiter-Neptune et un sextile à la lune noire. Donc là, ça peut donner la part de fortune. C'est une des parts arabes, il y en a des centaines, la plus utilisée en astrologie, qui représente la fortune, comme son nom l'indique. Alors, ce n'est pas l'argent, forcément. Alors, en taureau, c'est possible, mais qui représente la chance. Mais la chance dans le sens le bonheur intérieur. Le bonheur, qu'est-ce qui nous convient le mieux dans une période donnée. En l'occurrence ici, hein, en taureau, c'est la stabilité, le côté apaisé, la paix intérieure aussi. Donc après, il faut voir les maisons, hein, c'est plus en maison 12 intérieure, mais voilà, trouver le bonheur par rapport à une simplicité de vie, tout simplement. Et le sextile à la lune noire, bon, alors c'est un peu délicat à expliquer, mais ça peut, par rapport à peut-être, voilà, des choses qu'on arrive à régler, des mémoires émotionnelles, bah, ça peut nous aider à se sentir beaucoup plus léger, par exemple. Par exemple, si on fait des libérations karmiques, on peut se sentir beaucoup plus, après coup, beaucoup plus léger intérieurement. Le fait de pleurer, le fait de libérer des émotions qui sont restées enfouies en nous par rapport à des blessures karmiques, par rapport à des blessures originelles, des blessures de l'âme. Alors là, je parle vraiment de manière spirituelle, hein. Faut croire à tout ça, hein. On n'est pas obligé de croire à ce que je raconte forcément. Ça peut engendrer un mieux-être, si vous voulez. Donc ça, c'est positif. En revanche, bon, il y a un petit, là, encore une fois, un petit sextile carré Jupiter-Neptune, donc on peut avoir un excès avec Jupiter, hein, un excès d'idéal pour trouver un bonheur. Donc attention à ne pas chercher peut-être trop le bonheur, voilà, trop d'idéaux, mais voilà, c'est jamais mal de chercher le bonheur, mais ne pas être trop dans le comment dire, trop d'espoir, trop d'attente, voilà, faut. Mais voilà, c'est plutôt positif en général, on va dire. La part de fortune, il n'y a rien de très dramatique là-dessus. Et Chiron aussi, Chiron pour terminer, parce que je ne vais pas tous les faire. Chiron ici, il est bah, exactement conjoint, encore une fois, à la nouvelle lune, hein, en bélier, et Mercure. Alors, bah, vous voyez, une grande concentration en bélier quand même. Et Chiron représente les blessures de l'âme aussi. Alors, c'est compliqué, parce que j'ai parlé de lune noire. Lune noire, c'est plutôt les manques. Ça veut dire qu'on a un manque émotionnel. On va vouloir rechercher la mère, on va vouloir rechercher la femme, on va vouloir rechercher ce qui nous manque émotionnellement. Et en même temps, quand on l'a, on peut le refuser. Bon, c'est compliqué, la lune noire est ambivalente, elle est ambiguë. C'est Lilith, la tentatrice, dans la mythologie, enfin
la Bible, hein, première femme avant Ève, et Chiron. Chiron, c'est plus la blessure qu'on a subie. Blessure physique, blessure physique et aussi de l'âme aussi, mais vraiment une attaque, mais en même temps qui peut être soignée, qui peut être guérie. Alors bon, je résume, hein. C'est vrai qu'après il y a des livres qui expliquent bien ça, hein, d'une manière beaucoup plus tournée, beaucoup plus voilà, de manière très romancée, mais voilà, j'essaie de... On est dans une période bélier, je ne vais pas faire trop long, sinon ça va ennuyer les béliers. Alors ce qu'il faut retenir, déjà, les béliers peuvent être bien, par rapport aux signes, bien impactés, parce qu'il y a beaucoup de planètes qui tombent dans leur signe. Donc tout ce qui est bélier, donc signe de feu et signe d'air, deuxième décan, c'est-à-dire bélier, gémeaux, lion, alors pas la balance, parce que c'est en opposition, sagittaire et verseau, vous pouvez avoir des influx plutôt positifs. Alors, pour les deuxièmes décans, surtout, alors les gens qui ont des planètes ici, dans à peu près dans ces eaux-là, en deuxième décan, entre 10 et 20 degrés en gros. En revanche, pour les signes cardinaux, c'est-à-dire autres que le bélier, c'est-à-dire le cancer, la balance, le capricorne, là, ça va faire des carrés, des oppositions, donc c'est beaucoup plus difficile. Donc là, il peut y avoir des mésententes, des disputes, enfin, ou des désaccords plutôt, hein, sans que ce soit trop violent. Voilà. Alors, on a quand même des planètes ici en Verseau, donc tout ce qui est, on va dire, domaine affectif, tout ce qui relève de l'action, de tout ce qu'on veut construire avec Saturne, ici peut être favorisé pour les signes donc du Verseau, hein, le signe du Verseau troisième décan. Donc entre à peu près 20 et 30 degrés, hein, ici, dernier décan du Verseau. Donc va aussi favoriser les derniers décans Bélier, Gémeaux, Sagittaire et Balance, donc troisième décan. Par contre, les signes fixes comme le Taureau, le Lion et le Scorpion troisième décan, là en revanche, ça va faire des carrés par rapport à cet amas-là, hein, je parle, l'amas. Triple conjonction Verseau. Voilà. Pour vous vous situer un peu. Bon, après, on ne va pas tous les faire. C'est qu'Uranus, Pluton aussi, on pourrait en parler. Et Jupiter-Neptune, toujours présent. Mais comme c'est des planètes rapides qui bougent très vite, pour le moment, par rapport à la nouvelle Lune, on va dire que c'est plutôt ce que je vous ai expliqué. Le signe Bélier, là, Verseau, qui sont plus d'actualité. Donc voilà. Alors, ce que je voulais terminer, ce qui est intéressant de voir, c'est que si je superpose. Alors attendez, je raffiche d'abord. Ouais. Donc là, voilà, si la nouvelle lune, les aspects globaux, hein, si on devait résumer tous les aspects, alors, en mettant les aspects mineurs, j'ai mis les 16 qui carrés, les semi-sextiles, j'aurais pu mettre d'autres aspects, mais bon, après ça sera trop fouillis et trop long la vidéo, mais c'est vrai que là déjà on a une idée quand même assez complète de cette nouvelle lune qui est assez intense, tendue, hein, elle sera de forte tension hein, de manière générale. Car on a toujours cet indice cyclique qui est très bas en astrologie. Hein, l'indice cyclique, c'est la concentration des planètes plus ou moins fortes dans un zodiaque. Et ici, on voit bien, elles sont très regroupées dans ce secteur ouest, hein, le secteur occidental, le secteur qui va à peu près du fin Capricorne, vous voyez, jusqu'à Bélier. Si on prenait pas Uranus, là, c'est très concentré hein, sur deux signes et demi. Et si on prend Uranus, bon, un peu plus, mais vous voyez, tout est là, hein, tout est concentré. Une planète, 3, 2, 3, 4 avec Chiron, 2 là, voilà, tout est par là. C'est pour ça que c'est plus les planètes sont concentrées, plus ça fait des fortes tensions. C'est pour ça qu'on vit des tensions à un moment très difficile actuellement, enfin très difficile, assez difficile actuellement, de manière mondiale, on va dire. Bon, après, il y a les lunes noires et les lunaires qui sont un peu plus éloignées, mais voilà. C'est surtout les planètes dites du système solaire qui sont importantes. Hein. Voilà. Alors, si je termine, alors si je. Comment dire? Si je superpose, parce que je voulais superposer ça avec le thème de la 5e République. Alors. République, 5e République, donc voilà. Donc voici le thème de la 5e République. Donc si je superpose le thème de nouvelle lune qui aura lieu donc le 1er avril 2022 à 8h20,
24, alors attendez, est-ce que ça va pas? On va mettre transit, révolution, nouvelle lune de l'année, superposée sur deux niveaux. Voilà, et c'est celle-là. Voilà. Donc, la nouvelle lune en bélier du 1er avril, si on la superpose au thème de la 5e République, qu'est-ce qu'on voit? On voit le retour de la lune sur la lune de la 5e République. Bon, la lune, elle tourne assez vite, hein, revient souvent vite, tous les mois environ, à cette position-là. Mais là, ce qui est important, c'est que ce qui est intéressant, c'est que c'est pendant les élections. Donc, ça réactive, si vous voulez, le thème de la 5e République. Donc, ça va réactiver, si vous voulez, ce côté où le peuple français, qui est de manière assez, par tradition, assez révolutionnaire, entre guillemets, qui est manifeste souvent, on dit souvent, le peuple français est toujours en train de manifester, machin, et ben là, ça réactive ça, si vous voulez. Donc, ça peut faire des fortes contestations. Donc, je pense par rapport peut-être aux élections, hein, au vote, on verra. Mais voilà, c'est pas anodin que, comme par hasard, cette nouvelle lune, avec en plus Chiron, Mercure, tombe sur la lune de la 5e République française. D'autant qu'il y a la lune noire corrigée, et vous voyez, il y a une forte amas avec le nœud sud, là, et la lune noire. Donc ça promet, si vous voulez. Ça, à mon avis, ce ne sera pas une élection de tout repos. Il va se passer des choses importantes. Hein. Alors forcément, il y a un trigone avec Uranus, l'opposition qui se réactive avec le Soleil, les nœuds lunaires, entre guillemets. Donc à voir, après on verra. Mais c'était important de le signaler car c'est un indice en astrologie qui peut exprimer voilà, quelque chose d'un changement. Alors plus ou moins bien vécu, on va voir comment ça va se vivre. Avec Uranus, il peut y avoir vraiment quelque chose de renouveau, hein, nou une nouveauté. On peut peut-être le trigone forcément au natal va annoncer peut-être voilà, un mieux-être. On veut s'émanciper, comme j'ai dit, hein, avec les planètes en Verseau, hein, qui sont ici en sextile. Alors sextile et puis semi-carré aussi, on avait vu. Là, ils ont mis sextile avec les lunes noires. Alors c'est compliqué parce que là, ils ont mis planète en transit sextile avec les planètes fin bélier. Mais sinon, avec la lune, la nouvelle lune, sont plutôt, on avait vu, en semi-carré. Donc attention parce que ça peut faire. Comment dire des réactions assez épidermiques, assez violentes, entre guillemets, enfin assez réactionnaires, très réactives. Donc voilà, je voulais surtout voir ça. Donc bon, pour le reste, après, on connaît déjà, hein, plus ou moins, mais voilà. Voilà ce que je pouvais dire sur cette nouvelle lune en bélier. Donc là, je le fais beaucoup plus méthode posée par rapport à l'astrologie. Pour que vous voyez un peu les énergies pendant ces 15 jours d'avril. Et donc, bah, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas, likez, partagez, vous abonner, c'est important pour référencer la chaîne. Vous pouvez me consulter si vous avez envie pour vos thèmes hein, astrologiques, si vous avez envie, personnel. Voilà. Et donc, je vous dis à la prochaine vidéo, portez-vous bien, à bientôt, au revoir. Come on.